Oh là là, mon titi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce lundi 20 mai pour un point lecture. Et je vais vous présenter deux lectures que j'ai faites dernièrement, il y a quelques semaines. Et puis vous parler également de mes lectures récentes, de mes lectures du moment qui sont un petit peu fastidieuses. Et puis je finirai par une petite présentation très rapide de 11 petits nouveaux qui ont rejoint mes étagères. Alors je vais commencer tout de suite en vous présentant un recueil de nouvelles graphiques dont je vous ai un petit peu parlé dans je ne sais plus quelle vidéo. C'est un recueil de 8 nouvelles graphiques du mangaka Junji Ito, qui est donc un grand maître de l'horreur à la japonaise. Je n'avais jamais lu les romans graphiques de cet auteur. Ceci dit, je lis très rarement de romans graphiques, donc c'était pas très compliqué. Mais voilà, je l'avais reçu à Noël dernier, je me suis lancée et j'ai beaucoup aimé. Alors, il s'agit d'histoires vraiment très très cauchemardesques, très inventives, très drôles, très cocasses, aux thématiques très variées. Il y a par exemple l'histoire d'un mari volage qui est retenu prisonnier par son futon, et c'est son futon qui va décomposer son corps. Il y a également l'histoire d'une maison traditionnelle japonaise qui est classée au patrimoine national, mais dont l'antique charpente va s'avérer être habitée par un esprit lubrique. Il y a également l'histoire d'une sorcière aux cheveux tranchants, comme un scalpel, et dont le péché mignon est de trancher des têtes d'hommes, ou encore l'histoire de cette femme qui rêve de se faire éviscérer depuis l'enfance et qui squatte les salles d'autopsie des facs de médecine dans le but d'arriver à ses fins. C'est extrêmement rigolo, j'ai trouvé. Mais ma préférée reste celle d'une jeune femme qui vient de se marier et qui peut voir dans la maison familiale de son mari où elle vient de s'installer, elle peut voir et elle peut même communiquer avec les derniers ancêtres de la famille qui sont décédés dans les 10 dernières années. Je me suis beaucoup amusée avec ces petites histoires d'horreur qui sont pleines de malice, qui sont d'une inventivité vraiment folle, qui explore à fond nos pires angoisses, nos fantasmes et nos questionnements sur la vie, sur l'existence. J'ai ressenti à cette lecture un mélange de plaisir, d'amusement et aussi de malaise. C'était, voilà, le mélange de ces trois émotions était vraiment particulièrement délicieux. Les sensations étaient renforcées par les très très beaux dessins en noir et blanc, très surprenant parce que parfois extrêmement sage, simple et réaliste, et nous plongeant parfois brusquement, totalement dans des dessins complètement déstructurés, totalement horrifiques. J'ai trouvé ces dessins de Junji Ito, que je ne connaissais pas du tout, vraiment très très sensuels. J'ai mis un petit marque-page pour vous montrer deux pages. La page de garde de ma nouvelle préférée dans ce recueil. Et pour contraster, une petite image bien sympathique. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était, comme je le disais, ma première rencontre avec ce mangaka, Junji Ito. Et je vais poursuivre avec grand plaisir. Alors sinon, j'ai lu il y a à peu près 2 semaines Terre fragile de Claire Fuller.
qui est un roman d'une auteure anglaise que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert grâce à un commentaire sous une de mes vidéos, un commentaire de Patricia. Et donc, Patricia, merci encore pour cette jolie découverte. C'est un roman qui est paru en 2021 en Angleterre et en 2024 en France. On va suivre Janie et Julius, qui ont 51 ans, qui sont frères et sœurs, qui sont jumeaux. Tous les deux vivent chez leur mère, qui s'appelle Dot, dans un vieux cottage à l'écart d'un petit village de la campagne anglaise. Ils ont toujours vécu dans ce cottage, qui est prêté à titre gracieux par le propriétaire, qui est un riche fermier du coin. Ils sont très attachés à ce cottage, malgré son état de délabrement et son absence totale de confort. Cette famille de trois personnes vit de façon vraiment coupée du monde, sur un mode très marginal, mais ils vivent de façon heureuse. Ils se satisfont des joies de la nature, des moments de détente, où ils chantent, où ils jouent de la musique. Chacun pratique en fait un instrument différent. Et aussi, bien, ils se nourrissent, ils se contentent globalement de ce que leur fournit leur gros potager sur leur terrain. Alors, comment vivent-ils? Eh bien, pour tenter d'honorer les factures d'électricité et puis acheter le minimum quand même de produits de base, eh bien, Dot, la maman, donc qui est quand même maintenant âgée de plus de 75 ans, je pense que dans le roman elle a 80 ans, elle vend ses légumes dans une épicerie de luxe du coin. C'est elle qui gère absolument tout, qui veille sur son petit nid d'oiseaux qui vont s'avérer être assez fragiles. Julius, il aide comme il peut. Lui, il réalise des petits boulots à gauche et à droite, mais il est assez limité parce qu'il ne peut pas se déplacer très loin. Il a le mal des transports et il ne peut pas monter dans une voiture ou une camionnette pour l'emmener sur des chantiers. Il est tout de suite malade, donc lui, il ne se déplace qu'à vélo, donc ça limite un petit peu les possibilités d'emploi. Janie, quant à elle, elle est fragile du cœur depuis l'enfance. Elle doit ménager ses efforts et elle ne peut pas travailler. En plus, comme durant son enfance, à cause de sa maladie, elle n'a pas pu souvent aller à l'école, eh bien, elle est aussi handicapée parce qu'elle ne sait pas lire ni écrire. Donc, tout va bien dans cette famille vraiment très très originale, sauf qu'un matin, Dot meurt de façon foudroyante. Et on va découvrir que les petits oiseaux vont devoir se débrouiller tout seuls. En plus du deuil de leur mère, Janie et Julius vont devoir faire face à une situation financière qu'ils découvrent beaucoup plus catastrophique que ce qu'ils pensaient, pardon. Et chaque jour va amener son lot de surprises dans la découverte des choses que leur a cachées leur maman. Ils vont connaître la faim, le froid, l'expulsion. Ils vont devoir accepter à contre-cœur la seule main tendue qui va s'offrir à eux, c'est-à-dire celle de la meilleure amie de Dot et de son mari. On va suivre ces deux personnages marginaux, ce frère et cette sœur. On va les suivre affronter comme ils le peuvent ce tourbillon de déconvenues. On va les suivre s'enfoncer dans la misère et on va aussi les suivre dans leur volonté d'essayer de mieux comprendre leur mère. Janie va essayer de trouver du travail malgré sa santé précaire et son illettrisme. Julius, lui, il va accepter n'importe quel travail, même s'il faut être passager d'une voiture et faire des malaises. Il va se démener pour essayer de leur trouver un toit, pour leur trouver des revenus pour acheter les produits de base, et puis aussi pour continuer à protéger sa sœur, pour rester auprès d'elle, et on va voir au détriment de sa vie personnelle et affective, et même de sa propre liberté qu'il a mis. Il a mis de côté pour toujours vivre avec sa mère et protéger sa sœur. J'ai beaucoup aimé suivre ces deux personnages ruraux, loyaux, simples, très sincères. Je les ai trouvés très vrais. On suit leur dégringolade et on se demande vraiment comment ils vont pouvoir s'en tirer. L'auteur va dévoiler peu à peu des informations sur cette famille marquée par la disparition tragique du père il y a plus de 30 ans. Et puis aussi, elle va nous donner au compte-gouttes des informations sur la personnalité de Dot,
qui va s'avérer être un personnage ambivalent qui, pour protéger ses enfants, en fait, les a plutôt enfermés dans une sorte d'étau protecteur, étau qui va lui-même, qui était censé protéger ses propres secrets. J'ai trouvé l'ambiance rurale très immersive, les personnages très originaux, vrais, touchants. La plume de l'auteur est fine, je la trouve subtile. Je trouve qu'elle sait rester sur le factuel et ne pas embarquer dans le sentimentalisme. Et là, ça aurait pu vraiment s'y prêter avec cette histoire. Et ça, elle n'est pas du tout partie là-dedans, ce que j'ai beaucoup apprécié. Les messages passés sont très beaux, très humains, à savoir par exemple savoir se contenter des choses simples, essentielles, pratiquer un art comme la musique ensemble pour pouvoir dire les mots ou les émotions qui ne peuvent pas être dites autrement, se sentir tout simplement protégé par un foyer, même s'il est délabré, précaire ou bancal. Et puis, j'ai apprécié que les personnages principaux soient des seniors. C'est assez rare dans la littérature contemporaine, je trouve. Et j'ai aimé aussi que l'auteur aborde la question de handicap un peu, comment dire, minimisé ou un peu honteux dans notre société, comme l'illettrisme qui peut encore se trouver malgré l'éducation, ou comme par exemple le mal des transports qui peut s'avérer être très très invalidant. Voilà, donc globalement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette lecture et je la recommande vraiment aux amateurs de romans sociétaux, de campagnes anglaises et de secrets de famille. Voilà pour Claire Fuller, Terre fragile, pardon, qui est édité chez Stock et qui est sorti en début d'année 2024 en France. Alors, sinon, tout dernièrement, j'ai lu Petit oiseau du ciel de Joyce Carol Oates. J'ai lu Murène de Valentine Gobi. Et j'ai lu un tout petit roman de Yuko Gawa, Petite boîte. Je n'en parle pas plus parce que ben, ce sera l'objet d'un prochain point lecture. Au niveau de mes lectures en cours, là, c'est un peu la galère. Je l'avais présenté lors de la dernière vidéo, oui, la dernière vidéo sur le tag, lorsqu'on parlait des pavés. J'ai finalement commencé Solénoïde de l'auteur roumain Mircea Castarețu. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ouais, voilà, c'est ça, j'en parlais dans le tag Code de la route. Bon, alors. C'est une lecture que j'ai mise en pause après 120 pages. C'est une lecture très très exigeante. C'est déjà un peu déjanté au niveau du personnage principal. Ça part dans tous les sens. La réalité se mélange avec du rêve, voire des hallucinations. Il y a des questionnements métaphysiques existentiels, le tout sur des phrases super super longue. Bref, c'est très très dense, ça demande énormément de concentration pour pouvoir suivre. Ça m'a perdu, ça m'a un petit peu dégoûté, je dois dire, et pourtant j'aimais beaucoup l'ambiance, donc peut-être que c'était pas le moment, peut-être que j'avais du mal à me concentrer, c'était la semaine dernière ou il y a à peu près 10 jours, donc je l'avais mis de côté et je vais quand même persévérer, je vais essayer de le reprendre cette semaine. Niveau lecture en cours, j'ai également pas mal de difficultés avec ma lecture du moment, qui est l'avant-dernier tome de la série policière danoise de Jussi Adler-Olsen, le département 5. Donc là, le titre, c'est Celle. Et je m'ennuie profondément. Alors, certainement parce que les séries, déjà, je finis toujours par me lasser. Hein, j'ai énormément aimé accrocher sur les premiers tomes de cette saga des aventures du département 5. Mais aussi, je pense que ce qui joue, c'est que le policier, vraiment, j'y arrive plus. J'y crois pas, je crois pas aux intrigues, je crois pas aux événements. J'accroche plus du tout depuis des mois et des mois. Donc là, je galère, j'en suis sur la fin, j'en vois pas le bout.
Bon, voilà, dites-moi si vous l'avez lu parce que j'ai l'impression qu'il est moins bon que les précédents. Mais d'un autre côté, c'est moi aussi qui n'aime plus ce genre. Donc voilà, en tout cas, je m'ennuie ferme et je n'en vois pas la fin, mais je pense que je vais pouvoir le terminer peut-être d'ici la fin de la journée et passer à autre chose. Voilà pour les lectures en cours, un petit peu compliquées. Sinon, ils sont là-bas. Hop là, les voilà. Il y a quelques petits nouveaux qui sont rentrés, comme je le disais en début de vidéo, dans ma pile à lire. Il y a 11 romans qui sont rentrés dans ma pile à lire. Et d'un autre côté, j'ai donné 10 vieilles reliques de ma pile à lire, qui étaient là depuis tellement longtemps, enfin très très longtemps. Et en relisant la quatrième de couverture, j'avais plus du tout envie de les lire. Mes goûts ont ont évolué, hein, d'où ma volonté aussi de ne pas faire traîner trop longtemps des livres dans ma pile à lire parce que les goûts peuvent évoluer assez vite et on se retrouve avec des achats qu'on ne lit jamais et je trouve ça un peu ridicule donc je vais essayer de peu à peu de ne plus arriver à ça. En tout cas, je suis passée il y a la semaine dernière chez Gibert Joseph dans le but de chercher d'autres titres de Claire Fuller, tellement j'ai aimé ce roman. Il n'y en avait pas, alors j'en ai profité pour sortir ma petite liste des livres que j'avais très très envie d'acheter et de regarder s'ils ne les avaient pas en occasion. J'ai notamment regardé s'ils avaient Jean-François Beauchemin, Le Roi Telet, dont j'entends parler depuis très très longtemps, beaucoup de personnes me le recommandaient. Il n'était pas d'occasion, mais je l'ai pris quand même et j'ai craqué également du même auteur. Sur ce titre, je pense qu'il vient de sortir, ou peut-être il est plus ancien, je ne sais pas du tout. Ouais, non. Ah oui, non. Édité au Québec en 2013 et il vient de sortir en France 2024. Donc, je ne sais pas du tout de quoi parle Le Jour des Corneilles. Ça va être une découverte. Par contre, Le Roi Telet raconte l'histoire d'un homme qui raconte son frère étant une personne atteinte de schizophrénie. Voilà, j'ai craqué pour ces deux romans. J'ai ensuite regardé un petit peu ce qu'il y avait en occasion dans les titres qui me faisaient envie sur ma liste. J'ai pris un petit Paula Fox, L'hiver le plus froid, dont je ne sais absolument rien. Ce sera une découverte, mais j'ai déjà lu il y a très longtemps Paula Fox. J'avais apprécié, donc je suis contente de le retrouver. Je suis contente également parce que c'est un court roman et que j'aime bien avoir, pour les moments où j'ai moins de patience, des romans de plus petite taille dans ma pile à lire. Un auteur que j'aime énormément, Kazuo Ishiguro, je me suis procuré Nocturne, qui sont cinq nouvelles qui racontent cinq musiciens différents. Très très hâte de le lire. Joyce Carol Oates, auteur que j'aime beaucoup. Je vous présenterai notamment Petit Oiseau du Ciel dans le prochain point lecture. Le Petit Paradis, dont je ne sais rien de plus. Voilà, j'ai pris, je sais que j'aimerais. Oups. Marie Nimier, Le Palais des Orties. Marie Nimier, je ne l'ai pas lu depuis très 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 longtemps. Là, il y avait un titre de cet auteur d'occasion. Donc, j'ai pris, j'ai envie de relire Marie Nimier. Et puis, j'avais entendu une interview de l'auteur sur je ne sais plus quelle émission sur France Culture, Gaëlle Obiegli. J'ai acheté son titre, Sans valeur, parce qu'elle m'avait vraiment éblouie dans son interview. Et dans ce roman, elle va nous raconter l'histoire d'ordures, de restes, de ce qu'il nous reste dans la vie. Et ça avait l'air absolument passionnant, moi qui venais justement de faire plein de tri dans les habits, dans les livres et dans plein d'autres choses. J'ai hâte de lire ce petit récit, je ne sais même pas si c'est plus un roman ou un essai. Donc à découvrir Sans valeur de Gaëlle Obiegli. Voilà pour le petit passage chez Gibert Joseph. À la base, en me disant je vais trouver 2-3 livres, j'en suis ressortie avec 6, 7, 7. C'est assez classique. Je pense que beaucoup de lecteurs connaissent ça.
Il y a eu d'autres achats ce week-end qui n'étaient pas du tout prévus, mais je suis tombée vraiment par hasard. J'ai pu aller me promener dans un magasin de brocante et j'ai trouvé 5 classiques que je n'ai pas lus à prix imbattable et aux très jolies couvertures. Balzac, La peau de chagrin. Super contente de l'avoir. En plus, les classiques, généralement, j'ai très envie de les lire sur la période d'été, donc ça tombe bien. Un Colette, Gigi, que je n'ai pas lu, qui va rejoindre mes 6 titres en attente de Colette. Le Horla de Maupassant, que je n'ai toujours pas lu. Et Maupassant, j'aime énormément. Et puis, Balzac, Le Lys dans la vallée, que je n'ai pas lu également. À 50 centimes le titre, je ne me suis pas privée. Et bien voilà pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres dont je vous ai parlé aujourd'hui, à me dire également comment ça va pour vous en ce moment la lecture, qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Je vous attends comme d'habitude en commentaire. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve assez vite, je l'espère, pour un prochain point lecture. À bientôt!